Bonjour, bonjour à tous. J'appelle Michel Daniel, je suis directeur aménagement et ville durable pour la distribution de Saint-Gobain. Donc, c'est une mission qui est en relation avec l'industrie Saint-Gobain, les distributeurs Saint-Gobain et surtout les territoires. Donc, l'objet de la présentation, c'est une solution constructive à base de matériaux d'excavation et de matériaux recyclés. Voilà, et on démarre cette présentation par la démarche. Et important, je vous ai parlé d'une connexion avec les territoires, c'est que toutes les solutions constructives qu'on souhaite mettre au point et que nous mettons au point, elles sont en lien étroit avec les territoires. C'est très compliqué aujourd'hui de dire la solution, ça ne vient pas d'un produit ou d'une seule solution d'assemblage, mais d'une vraie relation territoire avec une approche systémique où on a pris en compte la filière et les applicateurs. Donc, ce que vous voyez ici, la société Norper, on est en démarche d'open innovation depuis plusieurs années avec mes collègues de l'industrie. Et on détecte des talents sur les territoires. Norper est une société qui a beaucoup travaillé dans le béton projeté décoratif. Le patriarche est spécialisé dans la taille de pierre. Et c'est avec eux qu'on a mis au point un système assez innovant avec lequel on peut agréger, amalgamer à peu près n'importe quel type de matériaux recyclés ou de terres d'excavation. Donc, cette démarche d'open innovation nous permet d'ouvrir un peu nos chakras et puis d'aller ensuite constituer des solutions globales, quoi. Donc, les piliers, vous les avez, ils sont assez simples. Donc, le produit principal pour nous, ce sont les terres d'excavation, que ce soit les terres du Grand Paris Express, que ce soit des terres qu'on trouve chez les aménageurs. On travaille beaucoup avec Euroméditerranée, avec des établissements publics d'aménagement. Aujourd'hui, on se sert de l'ossature bois pour démarrer notre solution constructive. Donc, on projette dans des ossatures bois un mélange de terre. C'est la première étape du système constructif, vous allez le voir. Et en fait, on est capable de travailler, d'associer à peu près tous les matériaux. On a des solutions constructives avec ossature bois, mais on peut les faire aussi en remplissage ossature béton. On a quelques études sur des ossatures acier. Voilà, donc en fait, on a un système qui permet de construire des parois à base de matériaux recyclés ou de terre d'excavation et qui s'intègre dans à peu près tous les systèmes constructifs. Ça pourrait que c'est opérable tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre. Bon, si ce n'est les certifications SSTB qui sont en cours. Donc les accords que nous avons avec les EPA aujourd'hui pour mettre la solution en route, ce sont des accords sur les terres excavées. Dans les terres excavées, elles sont stockées sur les EPA, soit dans des installations de stockage de déchets inertes. Donc notre action, nous, c'est de les qualifier, de s'assurer qu'il n'y ait pas de polluants à l'intérieur, de les calibrer. Vous allez le voir, on a mis en place des laboratoires pour les calibrer, les caractériser. On complète les spectres, tout ce qui est spectre granulométrique et le produit dans notre fameuse matière première, donc terre, avec des matériaux issus de la déconstruction qu'on peut concasser, trier, cribler. On l'associe avec un liant minéral qui a été mis au point par la société Norper, dont je vous ai parlé au préalable. Et ensuite, en fait, aujourd'hui, pour l'instant, on utilise l'ossature bois pour monter des parois, alors qui ne sont pas encore porteuses. On est sur des parois de remplissage, c'est la première étape du système. Alors cette première étape, elle est nécessaire pour obtenir des ATEX et aller un petit peu plus loin. Donc vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir des parois de remplissage en terre si ce n'est pas porteur. Ça sert à apporter le confort d'été, puisqu'on a un déphasage de 14 heures avec ces parois, sans se gréver, sans avoir trop de problèmes au niveau des épaisseurs. On n'a pas des murs très épais, puisqu'on projette 15 cm d'épaisseur. Et on a un système constructif qui permet d'obtenir une inertie thermique assez importante, un déphasage thermique assez important. Et donc, premier avantage, donc matériaux recyclés ou issus d'excavation. Et deuxième avantage, on apporte le confort d'été de la RE 2020. Voilà. Dans les phases importantes du projet, donc, il y a la qualification des terres. Donc, on a créé une base de données terres aujourd'hui sur le territoire national. On travaille beaucoup avec NeoEco, on travaille avec Burgeap, on travaille avec nos propres laboratoires, avec Saint-Gobain Recherche aussi. Et on a travaillé donc sur un spectre granulométrique idéal. Alors, c'est quoi le spectre granulométrique idéal? C'est celui qui permet d'amalgamer n'importe quel type de terre et surtout de le projeter
avec les machines du marché. J'ai dit au préalable que pour que les solutions soient praticables, il faut absolument qu'elles soient collées à une filière métier. Et la filière métier sont les projeteurs façadiers. C'est-à-dire que n'importe quelle machine de façadier aujourd'hui, n'importe quelle entreprise générale qui en possède une, peut projeter ses parois. Alors ces parois, on peut les projeter pour construire de la maison individuelle, pour remplir des parois sur des immeubles troisième famille, mais on peut aussi les projeter sur des murs existants en rénovation. Et elles vont apporter du coup plus de masse et donc plus d'inertie thermique. Donc en rénovation, c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant de rapporter une certaine épaisseur et de l'inertie pour des bâtiments ou des maisons qui ont aujourd'hui des parois qui sont très perméables. Donc on a un laboratoire, bientôt un second, pour les qualifications des terres. La préparation des terres, on s'en est fait une spécialité avec les ISDI. Vous allez me dire où vous allez chercher vos terres, en fait, etc. Ce n'est pas très compliqué aujourd'hui. Les anciens carriers deviennent les nouveaux carriers avec ces terres recyclées. Quand vous allez sur un site d'extraction de matières premières vierges, vous avez aujourd'hui beaucoup de matières recyclées qui servent au comblement des carrières ou qui sont réutilisées en routier, qu'on peut réutiliser, nous, pour la construction aujourd'hui. Donc, plutôt un bon accueil des carriers ou des types Eurovia, voilà, qui vont utiliser ces granulats pour faire du routier. On les récupère, nous, pour faire de la construction. Le mélange, le liant, en fait, c'est un liant à base de laitier de haut fourneau et un cristallisant qui fait l'objet d'un brevet. Voilà, et le mix, donc, ce liant, donc aujourd'hui du laitier. On travaille beaucoup sur les cendres volantes, en fait, tout ce qui est en fait déchets. On a un mur qui est constitué à 95% de déchets. On se fait souvent chahuter quand on le dit, mais je n'ai pas peur de dire que c'est du déchet à 95%. Que ce soit sur l'adjuvant végétal, que ce soit sur le liant ou que ce soit sur le matériau excavé. Et la projection du mélange, en fait, on a mis en place un système, une filière formation. En fait, on élargit un peu le spectre du projeteur façadier, puisque maintenant, il peut projeter des murs, c'est ce qu'on est capable de faire. La productivité en construction mur par rapport à un mur standard, c'est-à-dire un mur en parpaing ou une banche, on est capable de projeter 100 mètres carrés de mur par jour. C'est à peu près 3-4 fois supérieur à ce qu'on fait avec de l'agglo aujourd'hui. Bon, on n'a pas de film, mais vous voyez la projection. La projection se fait dans un cadre bois, soit armé métal, soit armé de fibres de verre. Voilà, le schéma, vous l'avez là. Donc, c'est une ossature bois sur le DTU ossature bois. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel. Le remplissage là se fait. Le remplissage est fait par l'extérieur des façades, sur un remplissage de terre. Et de l'autre côté, ensuite, on a un système tout à fait classique, un système plaque de plâtre ou brique si on veut doubler. Fait ça. L'intérieur reste classique. On ne change pas finalement. La fonction des corps d'état qui vont construire la maison. C'est-à-dire, c'est une solution qui est transposable immédiatement. On a une première maison, une première villa qui a été réalisée dans le 84, deux autres qui sont réalisées dans le 04, et on travaille avec Eiffage sur des bâtiments R+6 et le CSTB, bien sûr, pour obtenir nos avis techniques expérimentaux pour l'instant, quoi. On a greffé à tout ça la logistique de chantier. Alors là, c'est illustré assez simplement, mais la logistique de chantier, ça nous a paru important et on se colle donc à tout le réseau de la distribution de Saint-Gobain, 2000 agences en France, pour apporter, en plus de la solution façade, apporter une solution chantier juste à temps. Donc on organise avec la totalité des dépôts et des magasins, l'approvisionnement en terre, le recrutement des artisans et toute la logistique de chantier. Donc là, on vous a illustré la logistique de chantier autour d'une maison individuelle. Bon, on n'a pas fait le schéma sur un îlot de quartier, mais c'est ce qu'on travaille avec Eiffage et bientôt Vinci. Le système, en fait, est assez simple et très rustique. En fait, on n'a pas besoin, on travaille avec de la terre. Alors, j'ai l'habitude de dire, on travaille avec de la terre crue. On se fait souvent chahuter quand on dit terre crue. La terre crue, c'est par opposition à la terre cuite. Hein. Donc, la terre, nous, on la prend brute. Elle n'est ni chauffée, ni déshydratée, ni cuite. C'est important. En configuration chantier, avoir des terres déshydratées, c'est compliqué. On n'est pas capable de le faire. Donc, on est capable d'avoir un produit mouillé. On a fait, nous, des essais de malaxage en toupie. Une toupie, ce n'est pas trop fait pour malaxer, mais bon, on a fait des essais où on met notre terre calibrée. Notre seule condition, c'est d'avoir une granulométrie qui nous permet d'utiliser les machines de façadier.
pour ce type de solution. Si vous prenez une machine à piston, on n'a plus trop de problèmes de granulométrie après. Donc on a vraiment un système qui permet d'agréger matériaux recyclés, terre excavée, se lier en minéral, et vous le projetez sur à peu près tout. On fait des tests sur de la terre coulée, mais bon, le système projeté est vraiment le système qui est notre préférence aujourd'hui. Donc très facile à installer aujourd'hui autour d'une maison individuelle, mais très facile à installer aussi devant une paroi de 6 étages, sans échafaudage. Je vous ai dit au départ qu'on travaille avec des gens qui travaillaient sur le béton projeté décoratif. Ils travaillent sans échafaudage, ils travaillent en nacelle, soit avec robot projeteur. En fait, la solution, elle est directement transposable. Donc on est vraiment sur une petite rupture sur ces systèmes constructifs. Une maison individuelle, par exemple, aujourd'hui, en parpaing, il faut un double échafaudage, intérieur-extérieur, c'est code du travail. Là, on peut se permettre de travailler que d'une face avec un système de projection. Bon, je n'oppose pas les styles, mais bon, c'est quand même des facilités et une productivité accrue sur ce type de chantier. Bon, les étapes clés, on les a résumées. Quoi. Ça laisse aussi beaucoup de place à l'assemblage hors site. L'ossature bois qu'on privilégie pour l'instant, ça permet aussi de travailler bien amont et d'avoir des chantiers avec des temps de présence très très courts. Voilà, y compris pour du R+6 qu'on étudie en ce moment avec FH. Quoi. L'acheminement des matériaux, j'en ai parlé, le fait d'associer la solution constructive à un réseau de distribution, ça permet d'être au plus près du chantier. Je rappelle cet élément qui est important, c'est-à-dire que la solution elle est vraiment systémique, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire, si on avait juste mis au point un liant pour l'associer avec de la terre et le projeter, bon, c'est pas mal, mais ce n'est pas si simple. En fait, le fait d'être au plus près des chantiers, d'apporter toute la logistique d'approche, d'avoir du juste à temps, d'avoir un artisan qui puisse être formé plus près de chez lui, d'avoir des approvisionnements proches du chantier ou des établissements publics avec des majors, cette proximité chantier, elle est vraiment importante et intéressante pour nous. Bon, les premières étapes, c'est la préparation. La projection, vous la voyez. Bon, vous voyez à gauche l'opérateur. En fait, il projette de la même façon que s'il était en train de faire une projection de crépi de façade. C'est pas très compliqué. 3 jours de formation pour leur donner l'accréditation et la capacité à être assuré pour ces constructions de murs qui font 15 cm d'épaisseur. Les 15 cm, on est capable de les projeter en une fois. Par sécurité, on les fait projeter en deux fois. C'est 7,5 plus 7,5. Ça peut se faire dans la même journée avec un maximum de 24 heures entre les deux passes. Donc c'est du frais sur frais. Mais c'est 15 cm et c'est là un peu le secret du brevet quelque part. C'est d'arriver à avoir un enduit, on peut comparer ça à un enduit, mais de 15 cm d'épaisseur qui peut se projeter en une seule fois. Alors on travaille beaucoup sur le... Là, vous voyez la méthode de passage, c'est un peu la même image que tout à l'heure. Donc, il y a 2 petites modifications sur la machine, ça coûte 500 €. Enfin, ça, c'est vraiment à la marge. Et ensuite, vous avez cette façon d'appliquer de gauche à droite, de bas en haut. Le produit est très collant, très très collant, quelle que soit la matière première secondaire. C'est surtout lié finalement au spectre granulométrique et l'association avec le cristallisant. Qui crée des gels finalement, et la terre elle est, bon on peut pas vous la montrer là, mais c'est comme une crème en fait, c'est très très joli, très gélifié en fait, voilà. C'est vraiment très gélifié, ça colle beaucoup, ça colle très très bien au cadre bois. Le métal que vous voyez, on est en train de le supprimer, on l'a remplacé par des trames fibres de verre, et on travaille sur des ossatures et de construction sur Nice, donc il y a une zone sismique forte, voilà, qui nous permet de tester la construction sur à peu près tous les points cardinaux du territoire. Voilà, donc vous voyez à droite là ce que ça peut donner. On a alors l'aspect fini, c'est ça. Hein, ça c'est un aspect, c'est une terre issue de carrière. Cet aspect orange clair avec les bois. Donc ensuite les finitions, il y a plusieurs finitions possibles, quoi. Soit matricer le système, ce que vous voyez en bas sur la petite photo du bas. Soit recouvrir complètement la terre. Les architectes aujourd'hui font tout pour qu'on laisse le matériau apparent. Le matériau, il peut rester apparent. En fait, comme il est la caractéristique du liant minéral qu'on utilise, peut fermer le produit. Et on est capable de fermer le produit, de le laisser brut, apparent. Bon, après, pour des raisons de goût, on est capable aussi de le recouvrir d'un enduit minéral à base de chaux. Bon, c'est pas très
rien d'innovant là-dedans, mais on est capable de recouvrir complètement et les bois et le matériau terre que vous voyez apparaître entre les montants bois. On peut aussi faire une finition bardage en ossature bois. Bon, tout le monde est plutôt fan, voilà. Mais c'est vrai que bon, nous, on travaille beaucoup aujourd'hui en PACA. Et bon, il y a beaucoup de crépi à l'extérieur et donc on est capable de le finir. Bon, les finitions, on peut s'autoriser à peu près n'importe quel type de finition. Voilà. Voilà, pour le système, je l'ai présenté assez rapidement. Voilà, si vous avez des questions à me poser sur les assemblages, les ACV, ce que vous voulez... Au niveau résistance thermique sur 15 cm, vous êtes à combien ? Alors, la résistance thermique, aujourd'hui, on est sur du 0,45. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est deux fois le parpaing. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, en fait. Parce que la résistance thermique, on la récupère soit en ITE, soit en ITI. Ce qui nous intéresse, c'est le déphasage, c'est-à-dire les 14 heures de déphasage que va apporter le matériau, en gros, une heure par centimètre d'épaisseur, et qui va apporter le confort d'été. Donc, ce qu'on associe, c'est un isolant, plus cette masse qui crée l'inertie thermique et le déphasage. Donc, c'est pas un isolant. Souvent, on me dit votre solution, elle s'oppose au chaud chanvre. Pas du tout, quoi. Là, on est sur un matériau qui tient 16 mégapascales en résistance. On est en train de travailler. On vise du 25 MPa. 4 MPa pour un aglo, un bloc parpaing, quoi. Et donc, une résistance thermique qui n'est pas super intéressante, hein, quelque part. Mais par contre, une inertie thermique, un déphasage thermique qui est vital pour la partie confort d'été de la RE 2020. Merci. Bonjour, Véronique Pape, Construction 21. Donc, oui. Je serais ravie de voir ce type d'informations arriver sur notre plateforme. Je pense que ça intéressera beaucoup les professionnels qui nous lisent. Oui. Moi, j'avais une question sur le moment où vous pensez que ça va vraiment se généraliser. Là, vous en êtes aux ATEX. C'est très, très séduisant comme solution. À votre avis, ça peut se généraliser à quelle échéance? C'est une question de mois ou d'année? Moi, j'ai envie de vous dire c'est une question de mois, mais bon, je pense que c'est une question d'année. Pour l'instant, on est en contact avec le CSTB. On dépose une ATEX pour ce type de mur. On vise des murs, des remplissages troisième famille, bon, bâtiment R+6. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'il faut des sponsors. Donc, on en a au niveau des établissements publics d'aménagement. On a des promoteurs, des investisseurs qui jouent le jeu avec nous. Donc, pour l'instant, les preuves de concept sont les maisons individuelles. Donc on en sort 3 avant la fin de l'année. Demain matin, on est sur un projet en Corse de 111 villas, 200 villas sur Coudoux en PACA. Voilà. Donc plutôt on va sortir des preuves de concept et plutôt on diffusera. Voilà, j'aimerais que ce soit à quelques mois. Mais par contre, il y a un vrai appétit des promoteurs, investisseurs et des majors. Eiffage est vraiment sur les rangs. On travaille sur Euroméditerranée, sur Smart Sail 2 avec un gros programme. Oui, j'espère quelques mois, bon, à minima 12 à 18 mois, parce que c'est un peu le temps donné par le CSTB aussi. Quoi. Porteur? Alors, pour l'instant, on n'est pas porteur. Alors, pourquoi? Parce qu'on monte les marches les unes après les autres. On n'est pas porteur parce que, bon, le remplissage et la première famille, donc les maisons individuelles, c'est notre première étape. On a démarré, on était à 6 MPA, on est à 16 MPA. Alors, on est déjà largement au-dessus d'Anaglo. Et puis, bon, on pense arriver très rapidement avec, en travaillant le spectre granulo et le liant à 25 MPa, donc on va très vite devenir porteur. Quoi. Après, on associe beaucoup les matériaux. On n'a pas peur de cette association de matériaux, que ce soit béton armé, béton de terre, que ce soit bois terre ou un peu moins, mais on fait quand même l'exercice acier et terre. Quoi. Bonjour, Bastien Bennett, bureau d'études AJ2D spécialisé en environnement. Je voulais savoir si vous étiez capable prochainement de produire une FDES. Alors, on a une FDES, elle va être publiée. Ça se modifie un petit peu là, puisque vous êtes au courant, il y a quelques évolutions. Mais bon, la FDES pour nous, elle est, alors, si on associe le matériau au bois, on a un produit qui séquestre 15 kg au mètre carré fourni posé.
Voilà. Et dans tous les cas, on a, parce qu'on arrive à moins bien mesurer, mais on a un évitement en matière première primaire qui est colossal. Parce qu'on a, à part le cristallisant qui agit à hauteur de 2% dans le mélange, tout le reste, c'est du déchet. Quoi. Alors, y compris le laitier, quoi. On va me dire le laitier, truc, etc. Bon, on fait le laitier quand même, voilà, on s'en sert pour construire tout ce qui est autour de nous. Enfin, c'est un déchet. Bon, après, il est là et on exploite ce qu'il y a. On va être du coup soumis à pénurie, certainement, un peu comme tout le monde. Donc, on tend à le minimiser dans notre mélange. Et on travaille sur d'autres pistes. Donc, d'autres. Il y a des cendres volantes. Enfin, voilà, quelque part, sur ce liant minéral, on n'invente pas grand-chose. On s'est vraiment inspiré aussi de. Je vous ai dit au préalable que l'inventeur, Louis Pérez, était tailleur de pierre à l'origine. Il s'est beaucoup intéressé au béton romain. Et en fait, on revient quelque part à des cristallisants, des façons de cristalliser les matériaux. Mais personne n'y avait pensé avant. Oui, Georges Jez, bureau d'études en BI. Il y a un côté pas mal avec l'utilisation de terres d'excavation et d'un matériau local géosourcé. Quel avantage par rapport à des solutions habituelles et des techniques ancestrales de terre crue, par exemple? Il n'y a pas une contradiction avec cette utilisation de terre et l'utilisation d'un treillis soudé ou un treillis en fibre de verre systématique? Alors, je réponds par la fin tout de suite. Là. Le treillis soudé, effectivement, donc on est en train de l'éliminer. Pour un treillis fibre de verre, bon, les bureaux d'études structure ont dit que vous pouvez tout éliminer. Nous, on les avait conservés pour les Eurocode 8, le sismique, en disant qu'on a quand même une intégrité dans le mur. Bon, on est en train de faire les tests sur table sismique, on pourrait peut-être éliminer la totalité. Il y a un autre avantage aussi, c'est qu'en application, vous avez beau former artisan, s'il y a une maladresse sur l'épaisseur, ça permet de contrôler 7,5 cm et de nouveau 7,5 cm, plus une cohésion. Mais effectivement, ce n'est pas indispensable à la structure. Voilà. Et votre première question, c'était le début, par rapport à la terre crue. Ouais. Alors, ça ne s'oppose pas à la terre crue. Si vous voulez faire de la terre crue, nous, on est fans. On a travaillé avec Crater, Cycleterre, Acter, Andreas Crevette, qui m'écrit régulièrement. C'est pas un souci. Par contre, notre souci, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a une pénurie de granulats. On a un excédent des matériaux d'excavation. Toute la réflexion, elle a commencé avec le Grand Paris Express, et quand Anne Hidalgo a lancé Réinventer Paris. Donc tous ces matériaux qui viennent aujourd'hui s'accumuler, il faut bien en faire quelque chose. Pour en faire quelque chose, bon, on s'est dit que pragmatique et efficace, en tout cas on ne veut pas s'opposer à ce qui se fait à côté, mais comment on va recycler des matériaux pareils à partir du moment où ils ne sont pas pollués? Ben voilà, on s'est intéressé à ça et on a trouvé cette formule-là, qui n'est peut-être pas la meilleure, mais bon, ça permet de travailler avec des tas de gravats recyclés, des tas de... Et en fait, on reconstruit la ville avec ses propres matériaux. Ce qui s'est un peu toujours fait, hein, quand on a déconstruit des immeubles, des cathédrales pour reconstruire des maisons, ben on se sert de tous ces tas qui finalement deviennent gigantesques. Voilà, mais ça ne s'oppose pas du tout à la terre qu'on appelle crue. C'est-à-dire, si vous prenez une terre, vous créez une mare, il y en a plein à Lyon, vous connaissez le sujet, ça peut se faire. Mais nous, ce n'était pas notre sujet. Nous, c'était notre sujet, c'était les aménagements publics, les gros aménagements territoriaux, et ces grosses masses, ces grosses quantités de terres excavées dont on ne sait que faire. Et on a essayé de trouver une solution et de la mettre en œuvre. Bonjour, Noélia Carretero du CEREMA. J'avais une question sur votre matériau et le comportement hydrique. Comment ça se comporte et du coup, au niveau des isolants qu'on peut mettre contre, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Alors, on travaille ça avec Weber chez Saint-Gobain et Isovert. Donc, il y a une migration de vapeur à l'intérieur du produit. Ce qui est intéressant avec le cristallisant, c'est qu'on peut fermer le produit complètement. On a un produit qui est perspirant aujourd'hui. Si je veux le laisser à l'extérieur, on fait une passe de cristallisant sur la façade du produit et la cristallisation se fait à cœur et se ferme. Un peu comme quand vous mettez un produit d'étanchéité sur une façade. Vous mettez un produit d'étanchéité à base de Portland et de sable de silice. Et finalement, tout ça, ça va rentrer par capillarité, se cristalliser, fermer le produit. Donc on est capable soit de laisser le produit perspirant avec migration de vapeur, soit de le bloquer complètement pour... voilà. Donc on a la première maison qu'on a réalisée, elle était réalisée avec un isolant Weber Therm Natura, enfin un liège en ITE. Voilà, les deux autres maisons, on les fait en ITI, avec un gros déphasage extérieur. Donc les deux sont possibles.
Merci. Concernant, je pensais à la tradition du pan de bois et à remplissage. Oui. Est-ce que là, vous arrivez à vous projeter un petit peu sur la durabilité, le rapport dans le temps entre le bois et son remplissage, l'entretien au fil du temps? Alors, il y avait beaucoup de connaissances qui se sont mises en place petit à petit dans le traditionnel. Alors, nous, on y va pas à pas, donc on démarre. Donc ça, effectivement, alors, vous voyez un peu, en voyant ça, on voit bien qu'on n'a pas inventé grand-chose, on fait du colombage, hein. Voilà, donc on a des tests de vieillissement accéléré avec le CERIB. Voilà, donc qui nous, voilà, on a certains résultats. On a un produit qui est très stable. Voilà, en plus, quand il est enduit par l'extérieur, bon, on ne voit pas trop de problèmes de dégradation. Il y a cet effet recristallisant qui est assez important. On a fait des tests en immergeant ces blocs dans de l'eau de mer. Et en fait, les sels réactivent le cristallisant. Donc on a des produits qui arrivent à redurcir dès qu'on les remet en tension dans un milieu humide. Si on y apporte un peu de cristallisant en plus, ça permet de les redurcir. Donc on n'a pas d'effet de pulvérulence, hein, ce que vous pouvez évoquer. Et ni, alors ça, ces façades-là, elles ont 2 ans maintenant, elles sont en extérieur, elles prennent la pluie tout le temps. Bon, ce n'est pas un test très scientifique, mais ça permet de voir qu'il n'y a pas assez ni pulvérulent, ni, vous ne pouvez pas le gratter à l'ongle, hein, je n'ai pas pu vous apporter l'échantillon, mais c'est très très dur. Hein. La cristallisation rend le matériau très dur. Voilà, donc on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus, ni sur le degré coupe-feu du matériau pour les bâtiments en troisième famille. Bonjour. J'avais une question par rapport à la recyclabilité de votre matériau. Oui. Parce que du coup, vous utilisez des matériaux, vous recyclez des matériaux. Est-ce que l'inverse est possible? Oui, alors. On a déjà les terres, on les teste auparavant, même si elles sont en ISDI, on a le pack ISDI qui permet de contrôler, puis on fait un test pollution dessus. Ensuite, on travaille avec ExpertTox, un docteur en toxicologie, pour savoir ce qu'émet le produit. Bon, il n'émet pas grand-chose. Et on le prend et alors, une fois qu'au préalable, on a qualifié la terre au départ, il n'y a pas de raison qu'elle aille se charger après, on est capable, on l'a fait le test, bon, il faut la reconcasser. On la concasse, on la crible et on est capable de la reprojeter en tant que granulat cette fois. Enfin, donc le produit, il est recyclable. Alors, on n'a pas testé jusqu'à combien de fois, mais bon, je pense que c'est un minéral, donc on est capable de le reconcasser à chaque fois. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, bon, à disposition, tout ça est sur la toile, donc vous pouvez interroger Norpère directement. Merci beaucoup.